오늘의 문제는 무엇인가요? 지니. Yes, exactly what I want. 안녕하세요, 여러분. 프렌치 어떻게 이제? 수민입니다. 큰일 났어. 무슨 일이야? 무슨 일이야? 나도 잘 모르겠어, 사실. 근데 큰일 났어. 정확하게 설명을 해보라. Non, enfin, miam, 화가 나. 아, 화가 이젠 나. 또 화가 났어? 왜? 왜? 아, 큰일이 나고 화가 났어? 왜? 도대체 왜? 무슨 일입니까? Dimanche dernier, il y a une semaine, il y a la série The Idol qui est sortie sur HBO. 요즘 엄청나게 화제가 되고 있지. Voilà. Et dont Jenny fait partie des personnages secondaires. Avec Lily Rose Depp, que j'aime beaucoup, un personnage principal. Qui est vraiment bien. Ouais. Enfin, honestly, generally, this kind of euphoria katun drama na on voit. It's too Miguk Jogin. I love old Miguk Jogin drama. Ah, 맞다. Sex and the City. Ouais, katun go. One Tree. Ah, 맞아. I have too many. Vampire Diaries. The Origin. Mais I was quand même kidding about this so for the idol. 여러분, 구독 좋아요 눌러주세요. Please, 제발, 스 vous plaît. 근데 이게 공개 전부터 이런저런 말이 좀 많았었잖아. Ce qui m'intéressait dans cette série, c'est que c'était parti pour être une série plutôt féministe, male gaze 보다 woman gaze 바탕으로 만드는 série라고 들었었어. It was supposed to be like this. 맞아, 초반에. Voilà, and knowing Lily Rose Depp and the project that she accepts to do and stuff, I know it would be quite smart and kind of bold as well. Mais il y a eu un problème où ils ont changé les camdocs. Shemet a été remplacé alors qu'il avait tourné 80% de la série. Parce que justement, c'était considéré comme too woman gaze. I mean, just this argument, okidian. Even though this is woman gaze, I mean, why not for once, non? The Weeknd가 자기 분량이 너무 적다고 불평했대. Ah ouais? Du coup, le projet a été rendu à Levinson qui a tout re-shooté alors que 80% de la série a été shootée. Euphoria 감독. Ah ouais? Oh. There is so many different Yegi, and I know that the Rolling Stones published a very upset article about the idol because of this reason. Et l'article des Rolling Stones disait vraiment que finalement c'était prévu pour être une satire des idoles féminines dans l'industrie, mais en fait c'était devenu une série satirisante en fait. Enfin, c'était devenu sa propre blague à travers les mains de Levinson. Donc, de Shija Kwasen Choa. Donc déjà, Kenil Nasoso, even before. And Jenny was in the middle of this. 우리도 봤어, 첫 회를. 어떤 느낌이었어? 몰라. It's not a masterpiece. Visually speaking, I think it's pretty. I think it's well shot. And 내용적으로, I mean, I think I would give it a chance. 그러니까 before... 아직 사실 별게 없어. I don't understand the hype about criticizing that much. 그만큼. 매 슬프게도 this is not our 문제 오늘. 오늘의 문제는 무엇인가요? 제니. I read that Korean netizens are quite upset about this. Jennie de Blackpink a personnellement choisi de rejoindre The Idol. Les internautes sont mitigés. Les internautes coréens sont choqués par une scène de Jennie Blackpink dans The Idol. Les internautes internationaux prennent sa défense. Le jour de la sortie du premier épisode, j'ai vu Jennie en top tweet avec The Idol. But actually, she was getting attacked by a lot of netizens, especially Korean netizens, about one scene that she has done. 나도 그러니까 그 기사를 먼저 접하고 네티즌들의 약간 부정적인 댓글을 먼저 접해서 도대체 어떤 코리오그래피길래 어떤 장면이길래 저렇게까지 비판을 당하나 긴장을 하면서 장면을 봤거든. I really don't understand the 문제. This is a choreography, this is a bit sexy. I mean, what's the problem? She dances well, she's 27. What is the 문제? This is not even 야해! I was like, why people are so... 그냥 you see this, you can just... Oh, wow. Wow. You know, like, wow. This choreography, of course, is a bit sexual jogging, but I don't see it in a bad way at all. And a lot of French netizens thought that it was really cool how Jennie break the codes of K-pop industry by participating in this way to the show. And by the way, some articles were explaining that this was fully Jennie's own choice. This was not YG's like suggestion or... So a lot of people thought it was really mochissant. Non, Jennie c'est vraiment la queen. Elle enlève tous les stéréotypes des idoles de K-pop et en plus c'est la première à ouvrir les portes du cinéma américain. Bref, le premier qui la slut shame ou l'insulte, je suis là pour l'attraper. En vrai, je trouve que Jennie dans The Idol, elle casse grave les codes de l'industrie de la K-pop et je trouve ça cool. Jennie paved the way en brisant les stéréotypes des idoles de K-pop, montrant un talent incontestable sur des scènes sexy, devenant ainsi la première idole à être porno star. Personal choice이긴 한데 감독이 바뀌기 전에 선택을 했고 캐스팅 됐다는 거. Yes. 나 그것도 사실 우리가 좀 생각해 봐야 될 것 같아. 뭐 마지막까지 아직 안 갔지만 드라마가 액트리스로서 감독이 디렉팅하는 대로 최선을 다해서 연기를 했을 거라고 생각해.
So there are a lot of people criticizing the idol. A lot of people seem not to like the idol and the concept, but they can't help themselves to watch because of Jenny. It's just a second role, but she's the only one we talk about on Twitter. 진짜로 좀 너무 신기해. People are literally watching for her. La seule chose bien dans The Idol, c'est Jenny. Est-ce que je regarde The Idol juste pour voir Jenny la reine? Oui, elle est trop belle. Je voulais vraiment pas être ce genre de personne et j'ai essayé de me convaincre du contraire, mais vraiment, la série The Idol, frisson de gêne. J'ai tenu jusqu'à l'apparition du personnage de The Weeknd. Par contre, Jenny est super et on sent le talent de Lily Rose Depp. Je refuse de regarder The Idol, mais OMG, Jenny est incroyable. Je suis en train de regarder le premier épisode de The Idol, j'attends Jenny comme ça. Jenny dans The Idol, elle est incroyable. Selon le New York Times, la raison pour laquelle les gens regardent The Idol serait pour voir Jenny de Blackpink. Recherchez The Idol sur les réseaux et le nombre de messages critiquant la série sera probablement inférieur au nombre de messages sur la performance de Jenny. Je voulais clairement pas voir The Idol, mais juste voir les extraits où il y a Jenny. Non mais faut en parler de comment Jenny porte à elle seule The Idol. Genre la promotion et l'attention des gens, c'est elle. Vraiment la star du show, plus la trend virale pour sa presta. Hier, j'ai regardé l'épisode de The Idol. Franchement, je sais pas quoi penser. L'épisode est vide, il aurait pu tenir en 20 minutes. Je suis juste content que Jenny soit dans des petits passages et que ça soit pas des passages problématiques. L'un des autres atouts majeurs du programme repose sur Jenny Kim, membre des Blackpink, l'un des plus grands groupes de K-pop. Jenny가 춤의 안무가 지금 TikTok, YouTube 트렌드가 돼가지고 계속 조회수 올라가고 있는 거야. The funniest part is that the views about Jenny's dance cover on the social networks is gathering more views than the series herself. C'est abusé. The Idol sera le downfall de Jenny alors que sa danse est devenue une trend. C'est fabuleux, la scène de The Idol avec la chanteuse de K-pop Jenny fait plus de vues sur YouTube que le premier épisode de la série. La danse de Jenny dans The Idol est devenue une trend sur TikTok. La danse de Jenny dans The Idol a obtenu plus de vues que le show en lui-même. Ça a critiqué la danse de Jenny dans The Idol, je fais que de la voir sur TikTok, PTDR ma reine putain. Donc il y a ce Moonje de The Idol et de ce que ça représente. Honestly, it's too soon to judge for me, we'll see later. But French people are mostly upset about the fact that Jenny is being criticized just for this choreography. A lot of tweets are really upset about it. Les gens qui sont choqués par la choré de Jenny dans The Idol, vous êtes au courant qu'elle a quand même 27 ans, c'est une femme, pas une ado. Si c'était une autre personne, vous n'auriez pas la même réaction. Des grandes daronnes de 60 ans, ça fait les choquer parce que Jenny, une femme adulte, a fait une scène sexy dans The Idol. Allez vous trouver un travail et toucher l'herbe dehors, ça vous fera du bien. Les gens qui critiquent sont choqués de la choré de Jenny dans The Idol, vous montrez juste à tout le monde que vous avez 13 ans. Les gens choqués de la danse de Jenny, pardon mais ça me fout droit. La go, elle a presque 30 ans, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, puis elle est plus innocente, j'espère. Ça vous choque juste parce que c'est une idole coréenne. Une occidentale, ça aurait choqué personne, faut arrêter. Je veux dire, Lily Rose Depp, de Yahan scene and everything. I feel so sorry because I really feel it's because she's an idol and she's a woman. It's like she's kind of trapped in this innocent, pure... You know, 아직도 소녀같이 다뤄지길 원하는 것 같지, 대중이? 너무 싫어. 배우로서 봐야지. 드라마에서 연기를 하고 있는데 리리 로즈 대비 거기서 누드를 찍었다 그래서 어떤 사람들이 왜 누드를 찍고 그래? 그래서 욕하지 않잖아. 배우로서 맞아, 존중하니까. 맞아. 맞아. In plus, it's nothing. Oh. 이게 아직도 안 왔어. But this is nothing. This is not even 야해, quand 그러니까. même. So a lot of people really don't get the problem with this, the anger. And actually, when you think about it, if you want to criticize something about it, about the concept of the series, it's definitely to the Kamdok. I mean, she's just a second role. She's a backup dancer. Mais Wejol, honestly, I gathered best tweets, but omchong mana. People being really angry, seeing Jenny being criticized. Alors je vais parler pour The Idol, la série est clairement à boycotter, je suis absolument d'accord, mais insulter les acteurs, surtout Jenny parce qu'elle fait une danse sexy, faut arrêter 2 minutes. 50 nuances degrés, personne dit rien, mais Jenny juste une danse sexy, c'est la mort. Jenny qui se prend toute la haine de The Idol alors que c'est un perso secondaire, c'est ridicule. Les 3/4 de la série The Idol est dérangeante en tout point, mais la seule chose qui vous fait parler, c'est les 5 secondes et demie de la chorégraphie où Jenny danse avec 2 mecs, où sont vos sens des priorités. Par contre, vous aimez pas le scénario de The Idol, c'est tout à fait compréhensible, mais cracher votre haine sur Jenny pour son comportement dans la série, vous êtes débile. C'est littéralement de l'acting. Free ma fille de vos bouches. Concernant The Idol, certes, je ne suis pas en accord avec le script de cette série, mais juste, pourquoi s'en prendre uniquement à Jenny? Elle n'est pas seule à jouer dans la série, et puis si la série est problématique, pourquoi vous ne blâmez pas le réalisateur par exemple? Ça commence à attraper Jenny à cause de la série The Idol, alors que c'est au réalisateur et au scénariste qu'il faut s'en prendre quoi. Au lieu de dénoncer le réel problème qui est que Sam Levinson se détraquait et Abel, qui ont fait de The Idol
Idol, une série problématique et dégradante pour la femme, eux, ils vont s'attaquer à Jenny qui n'est en rien responsable de ça. Ça défend soi-disant la femme en rabaissant une femme. Juste, vous critiquez grave Jenny pour sa danse dans The Idol, mais ça aurait été une personnalité américaine, vous aurez rien dit, donc stop. Jenny, bandit, hypocrite, si ça avait été quelqu'un d'autre, vous aurez rien dit. Mais puisque vous aimez infantiliser les idoles, ça clash Jenny, mais quand c'est des idoles mecs, c'est sexy. On en revient au même débat. Alors que les books font la même chose, voire pire, surtout niveau danse, plus qu'il faudrait plutôt attraper les réalisateurs qui, eux, sont problématiques, bref, la misogynie. Oui, The Idol, c'est problématique et je vais archi pas regarder, mais foutre la faute sur Jenny alors qu'on sait que le scénario a été modifié après qu'elle ait été cast, dire que Jenny est problématique pour avoir joué dedans, c'est aller un peu loin dans le slut shame. Mais pourquoi quand c'est des séries Netflix avec 5 scènes de cul par épisode, vous dites rien? Mais là, comme Jenny joue dedans, c'est grave. On parle d'une série, donc faut oublier son métier d'idole et la considérer comme une actrice pour la série. Arrêtez d'être bête. It's always the same. It's like, instead of criticizing the camdok or the people making it, you're gonna criticize the woman dancing it. Doesn't make sense at all. 사실 선택을 한 이후에는 자기가 맡은 역할에 최선을 다해서 감독의 지시를 따라서 슈팅을 하는 게 배우의 몫이잖아. She's just dancing. 특별한 대사를 한 것도 아니고. 80% of the opinions are just what we talked about. But some people as well don't really understand Kuji why Jenny accepted to be part of this project. They're not upset at Jenny, just they don't understand her choice. Les blings qui regardent The Idol, c'est quoi votre big problème? J'adore Jenny, mais je soutiens absolument pas ça, peu importe qu'elle ait signé avant ou après le changement de producteur. Visiblement, les gens font semblant de pas comprendre pourquoi la série The Idol est problématique. Oui, y compris la scène de danse de Jenny. The Idol, c'est juste un scénario basé uniquement sur les fantasmes du scénariste et des hommes en général, mais il y en a qui pensent sérieusement que notre problème c'est Jenny. Même si ça me fait pas plaisir que Jenny joue dedans, je vous rassure qu'on a 100% le droit de critiquer la série et les acteurs pour leur choix sur le coup. Et évidemment, il y a aussi des gens qui défendent la série en disant « Attendons un peu de voir la série sur la longueur et pas s'exciter après le premier épisode, quoi. » Sauf que la série vient de sortir, pourquoi faire des conclusions hâtives? J'ai regardé le premier épisode, c'était génial, il n'y a pas de fantasme, c'est juste que ça traite d'une idole qui par définition fait fantasmer le monde sur elle et son corps. Les blinks qui justifient l'harcèlement de Jenny pour 2 minutes de choré dans une série, tu valides juste le double standard opéré ici. Si tu étais renseigné, tu saurais que The Idol est à la base une satire de l'industrie US, le cast a signé pour ça. Un conseil, ne regarde jamais Oz. 난 제니가 The Idol로 헐리우드에서 연기자로 데뷔를 하고 싶었던 욕심이 이해가 가. 한국 사람으로서 세계 시장에서 각광을 받는 게 어떤 분야든지 그렇게 쉬운 길은 아니었기 때문에 헐리우드에서 뭔가 릴리 로즈 데뷔나 명망이 있는 프로듀서 더 위켄드나 뭐 이런 사람들이 진행하는 프로젝트에 함께 하고 싶은 그런 마음도 난 충분히 작용했을 거라고 생각해. I don't think it's about the 욕심 of Hollywood or this kind of thing. I think Jenny really chooses well, you know, because I'm a big fan and it's a kind of a hunger of freedom. Lily Rose Depp Hilton, she's really going always against. She always chooses very interesting project, very controversial project. Lily Rose Depp, like, you know, she has this image of a rebel. I really understand that she chose The Idol for this reason, Jenny. You can feel that she wanna make things move. She wanna shake things a bit. I don't think it's about Hollywood or pure cinema, beu, katun, yokshim. I really think the project itself was really an opportunity for her to transmit a lot of message, reach more freedom. Me, I really see it like this. 트롤 씨반 인터뷰를 봤는데 제니가 이제 해외에서 공연을 하고 이제 왔대. 그래서 왔냐 그러니까는 다른 나라에 있다가 왔다. 그러니까는 트롤 씨반이 Oh, was it for work? And she was like, yeah, well, I'm, you know, I'm in a band. And I was like, are you serious? Like, I know you're in a band. Like, the entire world knows that you're in a band. 그래서 그만큼 제니가 되게 험블하다는 거야. I love her so much. She's so cute and she's pretty and mushy so and even this choice about the idol. 응원해주고 싶어. 왜? 제니, 어차피 제니 doesn't deserve any critics. This is really 어이없소 and I'm so 화가 나. But about the idol itself, let's see.